Jean de La Fontaine, le lion s'en allant en guerre. Le lion, dans sa tête, avait une entreprise. Il tint conseil de guerre, envoya ses prévôts, fit avertir les animaux. Tous furent du dessein, chacun selon sa guise. L'éléphant devait sur son dos porter l'attirail nécessaire et combattre à son ordinaire. L'ours s'apprêtait pour les assauts. Le renard ménageait de secrètes pratiques, et le singe amusait l'ennemi par ses tours. « Renvoyez, dit quelqu'un, les ânes qui sont lourds et les lièvres sujets à des terreurs paniques. »« Point du tout, dit le roi, je les veux employer. Notre troupe sans eux ne serait pas complète. L'âne effraiera les gens, nous servant de trompette, et le lièvre pourra nous servir de courrier. » Le monarque prudent et sage de ses moindres sujets sait tirer quelque usage et connaît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens.